Je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le mettre en mille morceaux. Non, 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 non. Du calme, oncle G. Je suis curieux de voir ce qu'il a dans le ventre, cette espèce de clown. C'est pas du tout comme ça que tu dois t'y prendre. Ôte-toi de mon chemin, Steve Lapida. Mais, oncle G. Il faut que tu portes un bandeau sur les yeux si tu veux frapper la piñata. C'est la règle du jeu. Ah, oui. Tiens-toi tranquille, bouche de bidou. Tu le dis toi-même, je dois aller sur son bidou, sûrement pas sur ses yeux. Oh, mais combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Combien de fois, hein? Le magasin de bandeaux est fermé aujourd'hui. Et plus vite oncle G réussira à casser la piñata, plus vite on pourra manger tous les bonbons. Je vous préviens, tous les caramels au beurre salé sont pour moi. Très bien, oncle grand-pa, tu n'as plus qu'à faire 4 pas et frapper. Compris. 1, 2, 3, 4 et frapper. Oncle grand-pa, c'était 4 pas en avant. Maintenant, arrête-toi. Vas-y plus doucement, oncle grand-pa. Oh. Oncle grand-pa, 27 pas en arrière. Ça sent les bonbons au citron ici. Bonjour, oncle grand-pa. J'espère qu'il y aura aussi des sucettes aux donuts dans ce clown. Maintenant, faudrait que tu fasses 127 pas en arrière, oncle grand-pa. Mais la piñata est juste ici, bouche de bidon. Pourquoi tu vas m'accuser si je mange tous les bonbons? T'inquiète pas! Il y a largement assez de friandises pour tout le monde dans ce machin! Oh, j'ai l'impression que j'ai perdu mon bâton! Oh non, c'est bon, je l'ai retrouvé! Est-ce qu'il y a des bonbons qui sont tombés? Non, mais je suis sûr qu'il va commencer à y avoir des retombées dans pas très longtemps! Oh ça alors, cette piñata c'est vraiment de la bombe! Il est là mon bâton! Par ici les petits bonbons, par ici! Oh. Comme tu dis, monsieur Gus. Gagné, oncle grand-pa! Waouh! Vous voyez, tout est bien qui finit bien! Affalé sur le canapé, 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 affalé.